Voilà, chers amis internautes de la diaspora TV 113, je suis content de vous avoir invité à ce que vous avez fait pour le 2024. Si vous avez fait le 2024, vous avez fait le temps de l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez fait le temps de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Vous avez fait le temps de la 3e mars. Vous avez fait le consultant. Vous avez fait le temps de présenter Moussa Talla Tchandoum. Ce qui est le domaine du sport, vous avez fait une analyse pertinente. Vous avez fait le temps de l'équipe du Sénégal. Vous avez fait le temps de face à l'équipe de la Guinée. Donc Moussa Talla Tchandoum, ñu lay jaajeufal bu baaxa baax. Merci Mbey Babacar. Donc c'est Daouda Moutada Tchandoum, je suis chroniqueur sportif dans une radio communautaire de la place. Je suis très heureux d'être aujourd'hui l'invité de la Diaspora TV 73 pour parler de sport, mon domaine de prédilection. Merci. Voilà Moussa Daouda Moutada Tchandoum, je suis content de m'accueillir cette présentation que vous avez fait avec la Diaspora TV 113. Voilà. Donc, c'est une première question avec Miguel Donon. Les deux premiers matchs, vous avez fait l'équipe nationale du Sénégal contre l'équipe de la Gambie et le Cameroun. Vous avez fait deux matchs, c'était des capitales. Donc, pour vous, deux matchs, vous avez fait l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez fait une analyse et vous avez fait deux matchs, vous avez fait deux matchs. Oui, on a vu une très bonne équipe sénégalaise qui devait d'abord se faire respecter sur l'échiquier continental, d'autant plus qu'elle était détentrice de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, en tant que reine d'Afrique sur le plan footballistique, le Sénégal devait forger le respect. Et c'est la raison pour laquelle elle est venue dicter sa loi de fort belle manière à la Gambie. Voilà, donc beaucoup de sportifs pensaient que c'était le hasard. Le Sénégal a récidivé de plus belle manière face au Cameroun en étant champion d'Afrique. Alors les Sénégalais ont montré toute leur suprématie basée sur ce qu'on appelle le collectif, mais basée sur ce qu'on appelle les virtuosités individuelles. On a vu à travers ces deux rencontres une excellente équipe sénégalaise qui devrait maintenant confirmer face à la Guinée-Conakry, car le Sénégal n'est champion d'Afrique pour rien. Il doit non seulement redorer son blason en tant que champion d'Afrique, mais son football actuellement basé sur un collectif bien huilé avec des individualités très fortes. C'est pratiquement un niveau supérieur, un niveau de type mondial. C'est pourquoi le Sénégal devrait être à l'aise. Selon vous, M. Daouda Moutada Tchandoum, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le match d'aujourd'hui contre le Sénégal et la Guinée-Conakry? L'entraîneur Aliou Cissé a fait ce que vous savez, le classement que vous avez eu les deux derniers matchs, ou il a fait ce que vous avez eu? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais qui rectificatif. Ça me permet, c'est une opportunité pour rectifier pas mal d'analystes. Je vais vous dire, d'il un troisième ou un premier ou un deuxième moins chance d'aider dans nos jours, parce que on va vers une autre compétition. C'est une compétition sous format de coupe d'élimination directe et qui bon à maintenir d'autres là moins que football à match de poule. Dans match de poule sur calcul là, mais match de coupe amul calcul. L'équipe de l'Imman, moi, beaucoup wolé ni yakaman, mo def liñuy wax une défense hermétique. Yo champion d'Afrique jël deuxième sax du sap sac te lolu sénégalais yi xam nañ ko bu don té nak tay dina am ay soppi ci classement bi du tay sénégal gënou tam gis muy gagner mom lañuy gis ndax guiné mom même bu féko remplaçant rek ñoo dugg te dina am ay tutelaire yo xamanteni dina ñu conserver sen place bu le série de penalty gagné la alors que yakaman motax adversaire yi nga xamné ñom ñoy ñëwaat muy deuxième tour bi koku adversaire bo ci am baxna muy premier muy deuxième muy troisième c'est du pareil au même ndax match day changer format mais li gëna am importance moy bo nekké premier nak redorer ce blason champion d'Afrique dañ lay ragal taw nit bu la ragalé ak lu mëndu doon même combat bo gisé di nga gis mbeur mu mën moro mu mbeur mais ragal motax adversaire am daan ko blason titulaire lani dikké waat man lim ci ku melni Idrissa Gane Gueye ñepp xam ni titulaire la won mais les jeunes loups Lamine Camara ak ñom Pape Matar Sarr ak Pape Gueye ñoy ñew jël sen place mais téréwul la nu mënon ñi ci ku melni Cheikhou Koyaté gis nga ko la mu mënon tay la walu gëna voilà donc dama doon wax naan
mbeur bu fekke ni dang ko ragal doko meuna daan dina ngiss adversaire bo xam da lay leer ni mom mo meun mbeur mi mais ragal tax mu daanu senegal nak bu ñewé tégalé ñetti match duma yeb ñu naan ay 3-3 nit ñi dañ koy ragal yeneen équipe dañ koy ragal psychologiquement parlant buy dugg ci yow da ngay tiit titangé gogou nak ci la Aline Cissé wara profito guiné dañuy soup ñoo la gëna xamné bu ñi ñew dañuy tiit fofu nak équipe doko bay mo am confiance ni mu def Cameroun def ko Gambie lolu moy stratégie moy les 10 premières minutes mu duggal heure bu duggalé rek day déstabiliser adversaire muy nak muy conjuguer ay erreur yu bare bare yi nga xamné mom moy permettre mu meuna duggal ba duggalat sa équipe sénégalaise bi moy ñeppay duggal de la défense à l'attaque xam nga da ngay gis équipe ñu nan la diw du duggalut lolu mom moy ciatu yenn équipe bi mais sénégal ñeppay duggal la preuve moy bo xolé ñi jëk duggal ay milieu terrain la ci dernier match bi le attaquant yi commencé yew donc défenseur yi également ku melni Kalidou day yegg di mbeuk di duggal ku melni Abdoulaye Diallo di duggal donc lolu moy force sénégal kon tay buma amone lumay conseiller ci c'est moy tactique bi nga xamni mom la commencé bum ko dindi. Voilà, chers amis internautes de la Diaspora TV 73, xana rek di amati contentement ak mbekté ci andagen durant toute la CAN 2024 ak l'équipe nationale du Sénégal. Tay nak ñu fassiyene amal masse bu maga mak waye tam di ñaan Yalla yanu Yalla may ndam ban amé ko ñu ko bëggé ba lawone en 2021 mo wone wati 2024 bi. Hein di jaajeufal ñepp di bëggé ñepp di leen wax né rek ni lay démé sur la Diaspora TV 73 dara de leen top ba CAN bi jeex tak avec nos consultants hein avec monsieur Daoud Moutalla Thiandou mom mi nga xamné yakar na ni kenn du mom ak analyse mi am solo fi def waye tam di bëgg baax baax Gorom Bay nek fof doonu Ngaye Diagne def na ni tenue am solo yi ci CAN bi mom moko ñew jox ko la Diaspora TV 73 ngir ñu gëna mëna xam wone suñu bop ci CAN bi def na ni bo xolé ni ñu mel xam ni Gorom Bay mom mo fi jaar ñu nan ko fiston mention spéciale et que le meilleur est à venir une bonne continuation mam biram ma lay bëggé bu baax baax borom sen o borom entreprise bu mag bi kenn dio ci mim rew ma lay jaajeufal demat contentement ak mbikté ci yow bu baax 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 Papa Ndiaye Teranga yow tamit sama waji borom Istanbul doom lay ande bayo dom day wal balago sek yow neena la defé nani kep kula xamou rek defé nani yakar nani bu jëflenta yow dina xam yow yakane ci xol bu rafet way tam ci la bir dom day MSD ma ko jaré ma tax saliw Ndiaye Teranga xolal kenn di yow kep gu bëgg décoration bu rafet rek bu la sété rek contane sama waji ya mën yap doolé kon do xolala voilà kon damay dal di jox monsieur Daoudoula Moutalla Thiandou mom mi nga xamni yakar nani tay mom lan amone ci comme consultant mu ñew décortiquer ñu mart bi way tam ci anam bi ko gaay soxla wax leen li nga xamni moy kan bi ni mu démé lepp ak Sénégal ni mu duggsé ak Marseillais bi yépp défé na ni wax di len ko té ko sétane tamit diga contane ci mom ko dañ koy daal di jox rek mu la di tagu mbokk téléspectateurs yi koy sétane à travers Diaspora TV 73. Voilà, merci Mbaye Babacar, j'ai été très heureux d'être l'invité de la Diaspora TV 73. Alors j'invite tous ceux qui nous suivent d'augmenter les abonnés parce que c'est l'une des meilleures chaînes du monde. Il faudra vraiment vous abonner à la Diaspora TV 73 pour recevoir toutes les informations que vous voulez et là c'est un honneur et de remercier que du Nuyo Angay et surtout les ressortissants de Kayor qui sont partout dans la diaspora. Meilleure équipe d'Afrique et Inch'Allah Coupe du Monde sauf bu nu top rek dana del siwat nan yalla na yalla taxaw len ba li ngeen bëgg yépp ngeen am ko yalla sam len di jaajeufal nak wa Diaspora TV 73 parce que neena len ngeen abonné fofu ndax nak wax deug yalla liggey bu am solo la ni def bu liggey tamit bu nu invité rek dina na am ciawarte gi di supporter une fois de plus l'équipe nationale du Sénégal di len souhaiter une très bonne chance xana lolu ñaan na rek pour yalla la fa len ciat meilleure équipe d'Afrique té inshallah coupe bi mom sauf ciat bu nu top rek dana del siwat. Voilà, chers amis internautes, defé na ni comme ni ngeen ko soxla won rek non la fa démé té tamit non leen ko doon ñaané Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di bégé bu baax baax lay law bé borom pikine defé na ni coiffeur mom defé na ni moma ci doy tay bo xolé sama bobbi ni mu mel xamné lay mo fi jaar lay borom pikine borom ñetti mbar may lay jaajeufal je vous souhaite de passer une excellente soirée donc Diaspora TV 113 ci kaw te kanam mo ngi non sama gaay ci ñu dem.